bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision dans le cadre de votre émission hebdomadaire Kamita. Kamita qui prend un nouvel envol en cette nouvelle matinée justement. Et comme annoncé la semaine dernière, madame, monsieur, chers téléspectateurs, chaque fin du mois ou alors chaque dernier samedi du mois, un face-à-face est organisé entre deux protagonistes sur un sujet qui leur est communiqué au préalable. Ça peut être un sujet, n'est-ce pas, qui a été vu au cours du mois, ça peut être un nouveau sujet comme ce matin justement. Il s'agit tout simplement d'un sujet dont les archéologues, les scientifiques et même les historiens n'arrivent pas à s'accorder jusqu'à aujourd'hui. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de Jésus de Nazareth ou alors Jésus le Christ. A-t-il vraiment existé? Avons-nous des vestiges qui démontrent sa véracité? Est-ce que le manque de vestiges prouve également que quelque chose ou quelqu'un ou un personnage n'a pas existé? Ce sont autant de questions que nous allons voir tout au long de ces 90 minutes. Mais avant, comme c'est un face-à-face, madame, monsieur, chers téléspectateurs, il est important de connaître quelles sont les règles qui vont meubler cette émission. Chaque protagoniste prendra 5 minutes pour développer et après, en tant que modérateur, je vais relancer le prochain pour 5 minutes également. C'est comme ça que nous allons aller jusqu'à la fin de l'émission. C'est vrai, c'est un débat, c'est un face-à-face, c'est un duel. Quelqu'un peut emprunter en l'autre, mais dans les règles de l'art. Il ne s'agit pas de faire la cacophonie, il ne s'agit pas de débat de personnes, mais plutôt de débat d'idées. Donc, très vite, nous allons aller à la régie, prendre une courte transition. Et après, je viens présenter les deux protagonistes et lancer véritablement le débat. A tout de suite. Retour sur le plateau, il peut en parler, madame, monsieur. J'ai le père Jean-Benoît Castelman, il est prêtre catholique romain, plus précisément de la congrégation Saint-Jean. Bonjour mon père, bonjour. Bienvenue. Merci monsieur Jamsi, bonjour à mon copanéliste aussi, voilà, merci de votre confiance. J'espère que c'est à âme courtoise que nous allons mener ce debout dans vous, ce débat. On verra, mais j'espère qu'on est capable d'être... On est des hommes civilisés. En face, justement, c'est Todd Abonné, qu'on ne présente plus. Il est ontologue, métaphysicien et égyptologue. Vous voyez la tonne de paperasse qu'il a apportée ce matin. Nous espérons que le débat sera très, très chaud dans le bon sens du terme. Todd, bonjour et bienvenue. Par tous les téléspectateurs qui nous suivent, ils revivent le second round du débat avec mon copanéliste Jean-Benoît Castelman, parce que nous avons déjà eu à nous rencontrer en 2019 sur un plateau de Canal 2. Donc, peut-être sur le match de tout, qui devrait remporter cette fois-ci, je ne sais pas. Ah, je ne crois pas l'avoir perdu, le premier. De toute façon, nous sommes dans le ring. Voilà, le pavé jeté dans la mare, et je pense que c'est en toute humilité et en toute, comment est-ce qu'on dit ça, que nous allons mener ce débat. Je vais commencer par toi, Jean-Benoît Castelman. Jésus de Nazareth, Jésus le Christ. Y a-t-il une différence entre Jésus qui est le Nazaréen et puis le Christ? Parce que l'histoire nous renseigne en réalité que Christ, c'est un titre, ce n'est pas un nom. Donc ça veut dire Messie, Meshia en hébreu. Voilà. D'accord. Alors, c'est-à-dire l'élu. Ressortez-nous donc la différence pour votre première prise de parole. Vous avez 5 minutes. Oui, enfin, bon, je me permets de planter le décor un peu à ma façon, parce que je vois mon ami Toth avec toute sa littérature égyptienne, et je me dis, tiens, ça va évoluer comment cette histoire? Parce qu'il faut prendre les sujets les uns après les autres, et pas chanter au nom d'une égyptologie
un événement historique et qui a toutes les raisons d'être totalement historique, ce que je compte bien démontrer ici sur ce plateau. Donc la question, c'est d'avoir, est-ce que Jésus-Christ a-t-il vrai... Donc Jésus-Christ, on est d'accord, c'est Jésus de Nazareth, le Messie, d'accord. Il y a beaucoup de Jésus, si tu veux, à côté, mais ce n'est pas le problème. A-t-il vraiment existé? Il y en a qui disent que non. Bon. Est-ce qu'on a des vestiges de lui pour prouver qu'il a existé, par exemple? Je dirais oui. On verra ça. Est-il vraiment celui des évangiles? Parce qu'on peut dire, bon, il exista un certain obscur Jésus de Nazareth, un peu farfelu peut-être, ou un peu révolutionnaire, que diront d'autres, mais est-ce que c'est vraiment celui des évangiles? Ou est-ce que les chrétiens n'auraient-ils pas brodé ce qui est une forme déjà de mythologisation? Donc, est-ce que donc on a vraiment une concordance entre l'histoire réelle et les évangiles? Ça, c'est encore une question qu'il faudra aborder. N'y a-t-il pas une invention du christianisme dans sa vie, ses miracles? La vie et les miracles de Jésus, est-ce que voilà, mais ça prolonge ce que je viens de dire. Hein. Et surtout, surtout, sa résurrection. Parce que, bon, on veut bien qu'un Jésus, bon enfant, tout ce que tu veux, soit crucifié, mais après, bon, c'est terminé, le christianisme ne peut pas exister, puisque c'est fini. Et là, tout dépend de sa résurrection. S'il est ressuscité, ça change tout. Peut-on prouver, affirmer rationnellement et historiquement qu'il est vraiment ressuscité? J'ai bien l'intention de le faire ici. Et sans aborder l'ultime question, est-ce qu'il est vraiment Dieu en son Père? Non, ce qui est le début de la Trinité. Mais ça, pas pour aujourd'hui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si je commence tout de suite. Oui, allez-y. Vous êtes dans votre temps. Mais il faut me donner un peu le timing, bien sûr. Attention, je commencerai par un préalable pour tout historien sérieux. D'accord, l'histoire ne se fait pas avec des mythes. Donc, je ne sais pas comment, Todd, tu vas développer tout ça. L'histoire ne se fait pas avec des mythes. Or, une chose est certaine. C'est comme disait le grand historien académicien René Raymond, le christianisme a changé la face du monde. Ça, c'est déjà un thème en soi. Bon, enfin, bon. Et on ne peut pas dire que ça s'est fait à partir d'un mythe. C'est impossible. Je respecte totalement les mythes, en particulier égyptiens. Mais ce n'est pas les mythes qui ont fait l'Égypte. Les Égyptiens ont voulu, élaborer, concevoir leurs racines éternelles, si je peux dire éternelles, et en particulier par-delà la mort. Et en particulier, bien sûr, dans le mythe d'Isis et d'Osiris. Bien, certains disent, ben voilà, les chrétiens ont copié. C'est absurde de dire ça, mais enfin, c'est ce qui se dit. Et je vais démontrer que c'est faux. Mais je respecte la mythologie égyptienne, bien sûr, comme étant intéressante. Et moi, j'irai peut-être plus loin en disant, peut-être c'est une prémonition de la résurrection que le Seigneur réservait à l'humanité en Jésus-Christ. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de prémonitions chez les païens, pas seulement en Égypte. Hein. Bon. Vous voyez, si Jésus a fait l'histoire, et c'est un fait qu'il a fait l'histoire, c'est pas un mythe. Point. D'accord. Maintenant, on peut commencer, mais je dirais ceci pour commencer, autant que j'ai encore quelques minutes. On va essayer maintenant de cerner le sujet, avec au centre Jésus historique, hein, par tous les côtés possibles. Et Dieu sait s'il y en a. Un des premiers côtés, par exemple... C'est que des auteurs païens, des historiens païens, alors Salus, Pline, Tacite, Suétone et Flavius Joseph, n'étant pas chrétiens, hein, ils ont parlé d'un certain Jésus et ils l'ont décrit comme dans les évangiles. Donc attention, c'est déjà pas un mythe, puisque des païens ont présenté Jésus, en particulier Flavius Joseph, dans un texte que je n'ai pas le temps de lire, je crois. Et donc ça, c'est quand même important. Maintenant, les premiers chrétiens et les premiers pères de l'Église, ils auraient pu dire, écoutez, cette histoire, c'est sérieux ou pas? Ils auraient pu interroger. Et ils ont tous, c'était évident, pourquoi? Parce que je le redirais, il y avait des miracles, il y avait l'œuvre de Dieu qui se manifestait de bien des façons différentes. Donc tout ça, c'est historique. Donc c'est plus du mythe, là. Les évangiles regorgent d'indices, des indices qui sont purement historiques. De première main, ce sont des témoignages de première main. Preuve qu'il y a quatre évangiles, on a gardé quatre témoignages. On aurait voulu faire un mythe, on aurait eu un seul évangile apocryphe, par exemple. Ce sont des témoignages de première main qui regorgent de références dans les coutumes juives, donc l'histoire, la géographie, les lieux, à Jérusalem en particulier. On pensait que Jean avait inventé des histoires avec la piscine de Bethsaida à cinq portiques. On pensait hein, que c'était voilà symbolique. Et puis on a découvert que ça existe bien. Bon. On pensait que Pilate était un personnage inventé. On a découvert une inscription Pilatus. Et donc, à mesure que les fouilles archéologiques à Jérusalem et bien sûr en Terre Sainte avancent, elles confirment toutes, systématiquement, toute la Bible, Ancien Testament, mais surtout le Nouveau Testament. Voilà. Je vous relance avec une question pour finir votre dernière minute qui reste. Est-ce que ces évangiles-là ne se contredisent pas les uns les autres, notamment à partir de l'historicité de Jésus et les dates
Non, il n'y a pas de. Il y a des petites variantes. Mais vous savez, un événement ici qui a eu lieu, mettons, ici à Yaoundé, interrogez les différents témoins, vous aurez des petites variantes. Est-ce que ça veut dire que l'événement n'a pas existé? Non. Et ça, c'est grave, ce qu'on dit. S'il y a des petites, ce qu'on appelle contradictions, ce n'est pas des contradictions dans la Bible en général, et les évangiles en particulier, ce ne sont pas des contradictions, ce sont des variantes. Les variantes ne vont pas invalider l'événement. Mais évidemment, ceux qui disent « c'est la parole de Dieu », un peu comme le Coran hein, pour les musulmans, « c'est la parole de Dieu, donc elle doit être parfaite », c'est faux. C'est une parole, en particulier les évangiles, humano-divine. C'est-à-dire que Dieu inspire, bien sûr, mais il passe par les hommes. C'est la différence entre le christianisme et des religions qui sont totalement théocratiques. Et donc, forcément, il y a des petites variables d'accord. Sur des détails. Vous êtes légèrement allé au-delà de vos 5 minutes, mais c'est de bonne guerre. Alors, Toth, est-ce que l'histoire a-t-elle conservé des témoignages, des documents, des preuves irréfutables qui établissent la réalité sur le personnage de Jésus? Avant d'entrer dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie, il faut d'abord attaquer la chose en plein cœur, c'est-à-dire dans la Bible. Nous constatons que le personnage de Jésus-Christ est problématique à plusieurs niveaux. Premièrement, sa date de naissance. On ne connaît pas sa date de naissance. Tantôt, on la situe en l'an 4 avant l'ère actuelle. Tantôt, on la situe en l'an 6 après l'ère actuelle. Ce qui, déjà, nous met dans une fourchette de, je ne sais pas combien, 10 ans. Qui nous met dans une fourchette de 10 ans. Tout à l'heure, on nous dit, est-ce que ce n'est pas un détail? Oui, bon, on nous dit qu'il est né sous Quirinius. Et qu'il y a eu un recensement. Et Quirinius était basé en Syrie. Donc, le problème qui se pose, c'est que les chercheurs du 1er siècle, c'est-à-dire partant du 1er siècle jusqu'au 5e siècle, ont fouillé les archives romaines pour trouver la trace du recensement. Parce qu'on dit recensement, c'est l'établissement d'un acte de naissance. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a fouillé les archives, on n'a trouvé nulle part le nom d'un Jésus, fils de Marie, ou je ne sais pas, du Saint-Esprit, ou de Yahvé. On a trouvé ça nulle part, jusqu'aujourd'hui. Dans le recensement. Dans les archives des recensements qui sont passés à ce moment-là. D'accord. On n'a rien trouvé. Il n'était pas né, enfin bon. Voilà. Donc, lorsqu'on rentre même dans ce qui viendrait consolider le statut divin ou messianique de Jésus, à savoir les prophéties de l'Ancien Testament, on se rend compte que les prophéties de Daniel, d'Ézéchiel, de Jérémie, de je ne sais pas, tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prédit un Messie, pour dire que le sauveur des Juifs ou le sauveur, je ne sais pas, c'est les Romains qui ont dit plus tard le sauveur de l'humanité, parce que les textes hébraïques donc, disent le sauveur des Juifs. Voilà. Donc, on constate que, on nous dit, de la maison de David naîtra, quand on dit de la maison, c'est-à-dire de la lignée sanguine de David, naîtra un fils. Et il y a des tendances qui disent, tantôt on disait, il s'appellera Emmanuel et tout ça. Donc ils ont même donné les noms et tout ça. Élie et ainsi de suite. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est que les descendants de David, partant de David, jusqu'à l'époque de Jésus, c'est Joseph qui est de la lignée de David. Et malheureusement, on constate que Jésus est né de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas Joseph qui aurait connu Marie, qui est le père biologique. De Jésus. Donc, on ne saurait dire que Jésus est de la descendance de la maison de David. Donc, Jésus se retrouve donc être un être mythologique et nébuleux qui n'a aucun ancrage linéologique ou bien généalogique réel avec une filiation hébraïque. Donc, cela montre à suffisance que le Dieu des Hébreux, Yahvé, Jéhovah, hein, qui est le Dieu en même temps aussi d'Israël, parce que les Hébreux disent qu'il s'appelle aussi Israël, le Dieu qui leur a communiqué la loi, qui leur a enseigné ceci, qui leur a enseigné cela, et qui a parlé aux prophètes en leur disant, à travers la maison de David, viendra un fils qui viendra vous délivrer, ou vous apportera du salut. Cela montre que la parole de Yahvé a été remise en question à ce niveau. Et là, il y a une contradiction profonde et flagrante qui démontre que si Jésus n'est pas le fils de Joseph,
Et Joseph qui est le descendant de David. Il n'y a donc aucune filiation entre Jésus et le Dieu d'Israël. Jésus serait donc le fils d'un autre Dieu, d'un tout autre Dieu qui n'est plus le Dieu des Juifs. Et on peut comprendre pourquoi aujourd'hui les Juifs ne se reconnaissent pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est pour ça qu'ils pratiquent le judaïsme. Donc, ça déjà, la Bible nous montre clairement que Jésus n'est pas le fils de il n'est pas de la maison de David. Donc, il n'est pas le Messie d'Israël. D'accord. Et maintenant, si quitte à devenir le Messie du monde, ça c'est la décision des Romains. Plus tard. Plus tard. Donc, c'est pas. Et c'est, jusqu'aujourd'hui, on constate c'est un fait réel. Celui qui arrive à Israël, d'ailleurs, le Parlement juif, le Parlement d'Israël, a voté récemment une loi interdisant de présenter Jésus comme une figure sacrée chez eux. Ils ne se reconnaissent pas. Ça fait à peine 5 jours qu'ils ont voté ça au Parlement. Voilà. Israélien. D'accord. Donc, maintenant, quand on va au niveau des évangiles, on nous dit, bon, voilà, j'ai déjà montré que Jésus n'est pas la descendance de David. Donc, les Hébreux et les Juifs et le Dieu d'Israël ne se reconnaissent pas en lui. Il est donc le fils d'un nouveau Dieu et d'un Dieu totalement différent de celui qui parle dans l'Ancien Testament. D'accord, je pense que vous avez atteint les 5 minutes. Vous allez poursuivre juste après le temps qu'il réagisse aussi. Parce que quand vous voulez entrer dans un nouveau pan... Au niveau des évangiles. Voilà, il est important que, n'est-ce pas, vous entrez... Bien. Donc, je dois répondre rapidement. La date de la naissance a été calculée après des siècles déjà par un moine qui s'appelle Denis, je ne sais plus comment. Il y a eu une petite erreur de calcul, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit flou là-dedans. C'est exactement ce que je disais. C'est pas parce qu'il y a un petit flou quelque part dans des témoignages, par exemple, ou la datation en l'occurrence, que tous les événements sont faux. Bon, donc évidemment, moi je ne procède pas du tout de cette façon-là. On cherche les petites bêtes. D'accord, on va les toujours trouver, mais moi je vais revenir au fond. Vous allez la convoquer quand même la Bible. Est-ce que cette Bible alors, attendez, bon, Quirinus, Quirinus voudra me prouver que ce n'était pas la bonne époque, qu'il soit en Syrie, on s'en fiche complètement, c'est un gouverneur de la région. Le recensement, on n'a pas dans les archives, mais Jésus n'était pas né encore. Enfin, ils sont allés pour le recensement. Bon, 20 les jours. Est-ce que Jésus était né? Bon, à l'époque du recensement, ou bien il est venu pour le recensement. Donc ça aussi. Et puis, est-ce qu'on a toutes les archives aussi? Attendez, ça remonte à 2000 ans. Quand on commence à procéder comme ça, moi, je procède d'une façon totalement différente et vous allez voir. Il est probable donc que Jésus n'avait pas encore été... Mais ou bien qu'on n'a pas toutes les archives. D'accord. Bien. Bon, ça, je botte en touche. Les prophètes, Isaïe... Donc là, nous parlons des chercheurs du 1er siècle. Hein. On ne parle pas de ça aujourd'hui. On va les citer, justement. Voilà. On va en venir. C'est vraiment... Ça, c'est de la paperasserie. Et bon, c'est légitime de chercher ça, mais ça ne va pas prouver que l'événement est mythologique. C'est pas parce qu'il y a une absence de preuves dans un domaine que tout est faux. Effectivement, bien. On est d'accord là-dessus. Moi, je vais aller vous montrer les faisceaux de preuves que j'avance. Et même s'il y en a un qu'on peut peut-être un peu discuter, tout le reste fait foi. Bon, Isaïe, c'est celui qui a le plus parlé du Messie souffrant. Je vois pas comment 300 prophéties se sont réalisées en Jésus-Christ. Je ne vois pas comment on peut mettre en doute Daniel et tout ça, qu'au contraire, l'événement des prophéties dans l'Ancien Testament révélé en Jésus-Christ, il y a d'autres événements sur Tyr, Sidon et tout ça, je n'en parle pas. Eh bien, est inexplicable naturellement, sans avoir le compositeur de la symphonie, c'est-à-dire Dieu, dans l'histoire du salut, qui a anticipé par son esprit la venue du Sauveur dans les prophètes. Donc je suis désolé, justement les 300 prophéties sur le Christ nous obligent à voir qu'il y a une intervention divine dans l'Ancien Testament et dans les prophètes. Bon, il n'est pas le sauveur de l'humanité. Je suis désolé. S'il y a des frères qui connaissent bien le verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Chapitre 3, verset 16. Bien sûr. Et chapitre 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé, ou juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et Jésus a envoyé ses apôtres jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas comment toi tu peux raconter des histoires pareilles. Bon, excuse-moi. Jésus, c'est vrai, Joseph n'est pas son père charnel. C'est le père putatif. Parce qu'il fallait, bien sûr, le père pour... Mais Dieu a décidé que son fils venait de lui quand même, éternellement, bien sûr, si on ne reconnaît pas le fils unique qui est dans le sein du père, comme le dit très bien Saint Jean dans son prologue, si on n'est pas chrétien, évidemment, ça devient curieux tout ça. Mais c'est totalement cohérent. Et aucun chrétien de ce monde, et depuis les siècles derniers, s'est dit que finalement, Jésus, c'est fumeux, il vient d'où, il n'est pas juif et tout ça. Si, il est juif de par sa mère. Marie. Il s'est vraiment fait chair en sa mère.
Bon, maintenant, ah oui, mais c'est le père qui... Écoutez, bon, ça va, je continue. Le Parlement israélien... Sauf que fécondé par le Saint-Esprit, mais pas par Joseph, c'est oui. ça qu'il est relevé tout mais bien sûr, mais bien sûr, laissez quand même, laissez à Dieu de faire ses choses d'accord. et ne pas forcément prendre tous les processus naturels, surtout pour son Fils unique et éternel, une fois dans l'histoire de l'humanité. Bon, maintenant, le Parlement d'Israël n'a pas à nous dicter quoi que ce soit, ça ne prouve rien du tout. Bon, maintenant, je continue. Donc j'ai répondu, pardon, un peu rapide, excusez-moi. Les évangiles regorgent d'indices historiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des livres, des évangiles apocryphes, qui sont toujours un peu fabuleux et sans contexte précis. Or, tout est pétri d'histoire, avec tous les détails de la géographie, des mœurs, de l'époque, des lieux, de Jérusalem en particulier, bien sûr, les saisons de la Terre Sainte, au temps de Jésus et tout ça. Bien. On imagine mal, alors là maintenant j'enfonce le clou quand même si tu permets, pourquoi les chrétiens auraient inventé une fable, un mythe, avec un messie crucifié. Ça je ne vous conseille pas de faire campagne électorale avec ça. Hein. C'est la mort la plus infamante et la plus horrible. Un messie crucifié, bon il est vrai qu'il est ressuscité aussi. Mais regardez, quand Paul commence à parler à l'Aréopage d'Athènes, il parle de la résurrection, tout le monde se moque de lui. Ça ne fait pas très sérieux quand même comme fable là. Hein. Et qu'est-ce que les apôtres auraient pu inventer ? Ils étaient, j'ai déjà parlé 5 minutes. Ils étaient désespérés, ils ne croyaient plus, tout était foutu avec la mort de Jésus. Et tout à coup, je ne sais pas par quelle mouche aurait piqué, pour dire, ah, j'ai trouvé, on va inventer une résurrection et on va propager ce Messie. Dans quel but ? Gagner le pouvoir politique ? Gagner de l'argent ? Gagner la gloire ? Gagner les plaisirs ? Ils l'ont payé de leur vie. Ils n'avaient aucun intérêt. Aucun intérêt de faire ça. On ne se sacrifie pas pour ce qu'on... On se sacrifie pour ce qu'on croit être la vérité et pas pour un mensonge. Et l'évangile, je termine, allait à rebours des mentalités de l'époque. Non seulement ce fameux Messie crucifié, je viens de le dire, mais aussi l'enseignement de Jésus. Aimez vos ennemis, c'était pas dans les mœurs du temps, ça. Qui veut garder sa vie, la perdra. Donc c'est pas un pouvoir politique très séduisant, tout ça. Et pourtant, ils l'ont annoncé. Donc, c'est un Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, Jésus crucifié et son évangile est un scandale pour les juifs et une folie pour les païens. Et vous croyez qu'il faut inventer un mythe pareil ? Voilà. Madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et vous regardez votre émission Kamita qui passe tous les samedis entre 10h30 et 12h. Nous sommes à la fin du mois et c'est un face-à-face, comme promis la semaine dernière, entre deux protagonistes sur un sujet qui leur a été communiqué. Au préalable, nous avons d'un côté le père Jean-Benoît Casteman, qui est prêtre catholique roumain de la congrégation Saint-Jean. De l'autre côté, nous avons Todd Abonné, qui est ontologue, métaphysicien et puis égyptologue. Todd, justement, la parole est à vous. Mais avant qu'on en vienne aux évangiles, je voudrais quand même poser une question qui est dans la continuité, parce que nous poursuivons rationnellement avec notre débat. Pourquoi aucun auteur profane, parmi ceux qui auraient été les contemporains de Jésus, ne nous ont transmis aucune information faisant référence à Jésus, mais plutôt de Christ. Plutôt de Christ. Et je vais citer justement, il y a Flavius Joseph, il y a Pline, il y a Tacite, tous ces contemporains-là de l'époque de Jésus ont parlé plutôt de Christ et non de Jésus. Peut-être répondre à cette question avant de poursuivre sur... là, vous avez mis pause tout à l'heure, notamment sur les évangiles. Oui, je voulais terminer avec l'intérieur de la Bible avant de rentrer dans l'histoire. D'accord, allons-y. Parce que l'histoire, il faut qu'on parte du texte lui-même. Et quand on a compris que le texte lui-même a déjà des problèmes internes... Le texte, c'est justement qui nous renseigne... Sur l'histoire. Mm-hmm. Et après, maintenant, on peut donc sortir pour interroger l'histoire. D'accord. Et cette histoire repose sur notamment ses auteurs... dont tu viens de faire mention, d'accord. et sur les fouilles et les lieux sacrés qui pourraient devenir plus tard des lieux de pèlerinage et autres. D'accord. Donc, je reste encore dans le texte, parce que il vient tout à l'heure de confirmer ce que j'ai dit. Mm-hmm. Premièrement, que Jésus n'est pas de la descendance de David. Ça veut dire que les prophéties ont menti. Voilà. Deuxièmement, il a confirmé que Jésus n'a pas d'acte de naissance. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, lui-même qui est prêtre, il a au moins 30 ans ou 40 ans de prêtrise. On ne lui a jamais... Dans le recensement, voilà. On n'a pas trouvé, voilà. Justement. Troisièmement, il a confirmé que la date de naissance de Jésus
est élaboré a posteriori, c'est-à-dire qu'on n'a pas une date réelle. Comment peut-on parler d'un personnage historique qui n'a pas de date de naissance, qui n'a pas d'acte de naissance, qui n'a pas de père? Parce que si ce n'est pas le mythe, c'est quoi? Bon, on nous parle du Saint-Esprit, parce qu'il faut nous attaquer au niveau du Saint-Esprit. Justement, il a dit, ce qui nous surprend, c'est que dans la triade, la trinité chrétienne, c'est une trinité masculine. Le Père est masculin, le Saint-Esprit est masculin, le Fils est masculin. Bon, maintenant, ce Saint-Esprit, si on considère donc le Père a fait le Fils avec qui? Avec le Saint-Esprit? C'est-à-dire une fusion masculine qui engendre un masculin? Bon, maintenant on évolue. Il a dit tout à l'heure qu'il va du pouvoir discrétionnaire de Dieu. Si le Saint-Esprit, est même féminin, on suppose, mais on devait dire la Saint-Esprit. On ne devait pas dire le Saint-Esprit. Supposons même que le Saint-Esprit soit féminin. Ça veut dire que ce Saint-Esprit qui a fécondé Marie, c'est une union de lesbiennes ou quoi? Voilà. Donc, le Saint-Esprit est masculin, c'est-à-dire qu'il ne peut féconder un principe féminin qu'un principe mâle. Si le Saint-Esprit est donc masculin, ça veut dire qu'il y a une trinité masculine. Père, Saint-Esprit et Fils. Donc, et là, c'est une tendance LGBT qui se présente, qui se figure déjà clairement dans cette trinité-là. Parce que nous, on connaît la trinité Père, Mère et Fils. Voilà. Là, c'est Père, Saint-Esprit, c'est-à-dire masculin, Père masculin et Fils masculin. D'accord. Et ça laisse un point d'interrogation. D'accord. Maintenant, ça c'est pour la Trinité. Le Saint-Esprit, ils nous disent qu'il est masculin, il a fécondé Marie, n'est-ce pas? Et il a fécondé Marie comment? Si ce n'est pas le mythe là, on va nous dire que c'est quoi? Ils disent que ce n'est pas mythologique. Parce que pour dire que c'est de l'histoire, il faut des choses réelles. Des choses qui relèvent de la biologie. De la généalogie de ceci. Quelle est la généalogie de Jésus? Il a parlé tout à l'heure du pouvoir discrétionnaire de Dieu. C'est pour ça que ça relève donc du mythe. Parce qu'en réalité, le récit d'un Saint-Esprit qui est venu annoncer la venue du Messie, des choses comme ça, on retrouve ça dans l'histoire de la reine, la pharaon, à Tchepsout, où c'est Djéhouti qui vient annoncer à la mère et au roi qu'il y a une dame, une fille qui sera ceci, cela, et c'est tout qui vient annoncer. Donc ici, tout est pris pour le Saint-Esprit. Donc on voit tout simplement une transposition de ce récit-là et une appropriation judéo-chrétienne de l'affaire. Donc ce n'est pas une affaire authentiquement juive ou romaine. Maintenant, nous allons évoluer au niveau des évangiles. Des évangiles, justement. Parce que j'ai suivi là, il a cité l'évangile de Jean. Et pour eux, il ne sait pas qui s'est piégé lui-même. Parce que le premier problème, c'est que quand je dis que Dieu est le sauveur, Jésus était le présupposé être le sauveur d'Israël, des Juifs. Ça, c'est les prophéties de l'Ancien Testament qui le disent. Maintenant, quid des évangiles? Vous serez surpris maintenant de constater que cette histoire d'évangile, c'est très, très compliqué. Nous voyons ici, à partir de l'an 120, rédaction du Didache ou doctrine des 12 apôtres, dans lequel les apôtres ne sont pas encore les disciples du Christ, mais de simples messagers des communautés pré-chrétiennes qui ignorent la crucifixion de Jésus-Christ et qui ne fait aucune allusion à la vie de ce personnage. Ce qui prouve qu'à cette date, la rédaction des évangiles de la Bible n'avait pas encore commencé. Ça alors? Vers l'an 125, nous sommes déjà dans l'ère actuelle. Hein? Mm-hmm. Vers l'an 125, date estimée de la rédaction du papyrus 52 de la librairie John Rylands à Manchester, en Angleterre, et donc beaucoup affirment qu'il contient l'évangile de Jean. En fait, le manuscrit contient environ 13 mots, dont certains incomplets. Rappelons aussi que certains passages de Matthieu, les Béatitudes, se trouvent dans un manuscrit de Qumran, écrit 125 ans avant Jésus-Christ. Donc, voilà déjà, ça c'est l'évangile de Jean qui lisait. Ça veut dire que c'est écrit à partir de 125 ans plus tard. Ça veut dire que Jean n'a jamais connu un Jésus. Rassurez-vous, c'est complètement faux. Hein? Maintenant, on avance. L'an 132, bon, Bar Cocheba se déclare le Messie des Juifs, prend la tête d'une armée contre les Romains. À l'issue d'une guerre de 3 ans, c'est une nouvelle défaite de Jérusalem de nouveau rasée. Les évangiles font allusion à cette histoire. Encore une prophétie réalisée a posteriori, c'est-à-dire après mais oui, qui prouve en fait que les évangiles ont été rédigés après l'an 135. On est maintenant vers l'an
On passe, il faut que j'aille rapidement sur les évangiles. Pour ce sont des théories qui sont battues en brèche aujourd'hui, tout ça. Vers l'an 160, Saint Justin écrit sa vie du Christ. Il n'a jamais entendu parler des évangiles dont la rédaction en cours n'est pas achevée. Vers l'an 160, une amorce d'évangile inspirée de celui qui raconte la mort du Christ, mais non sa naissance, permet à certains fidèles de considérer que Jésus n'était pas vraiment un homme. Pour contourner ce problème, Clément à Rome réécrit tous les textes existants pour les mettre en concordance. Mm-hmm. Il rajoute 4 épîtres aux 10 épîtres dites de Paul. Bon, maintenant, vers l'an 165, rédaction de l'évangile de Matthieu. On va rapidement. Vers l'an 170, rédaction de l'évangile de Marc. On évolue. Vers l'an 180, le nom de Jésus est rajouté à celui de Christ. Auparavant, il aurait été jugé ridicule de donner un nom propre à un personnage imaginaire. Ça alors. Ensuite, vers l'an 180, rédaction pas définitive de l'évangile dit de Luc, déclaré disciple de Pierre et de Paul, qui reprend en partie l'histoire de Matthieu et déclare n'avoir pas vu ce qu'il raconte. Vers l'an 180, rédaction de l'évangile dit de Jean, donc rédaction définitive. Rédaction définitive de l'évangile dit de Jean. Papias n'en a pas entendu parler, sans doute à Alexandrie, en Égypte, sous le règne d'Adrien, qui recopie plus ou moins les évangiles précédents. Il est amusant de noter que l'évangile de Jean ne parle pas de l'apôtre Jean. Là, on est en l'an 180. L'évangile définitif, la rédaction définitive de l'évangile de Jean. Donc, on constate que les évangiles commencent à être rédigés à partir de l'an 125. Et donc, sauf si les apôtres de Jésus étaient des immortels, ayant vécu, étant adultes avec Jésus, ils seront donc morts à 200 ans pour commencer à rédiger les évangiles à l'an 125. Donc ici, on a des sources, on a Encyclopédia Universalis, on a beaucoup de sources un peu beaucoup plus. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Donc je réponds, il n'est pas de la descendante de David parce qu'il est fils de Joseph. Jésus, fils de Joseph, qu'on disait. Pourquoi? Parce que Joseph représentait la descendance de David, mais il avait ce côté divin, effectivement, qui n'est pas charnellement de David. C'est pas, mais il est de la descendance de David, puisque Joseph est de la descendance de David. Ça ne se discute pas parce que... Est-ce que Jésus est le fils de Joseph? C'est là la question. Le fils putatif, comme on dit. Putatif. Mais oui, parce qu'il fallait... Signifie quoi? En Israël... Ben, écoute, bon, il va nous mais il fallait en Israël... Mais je ne vais pas perdre 5 minutes là-dessus. D'accord. Il fallait en Israël qui est un représentant de la paternité. Mais le mystère du... Oui, mais toi, tu étais trop lourd. Tu m'as beaucoup amusé. Pour l'instant, tu m'amuses quand même pas mal. Mais le mystère de la Trinité, alors tu le traites comme ça avec tes grosses pincettes, hein, sans comprendre que, ben oui, Père, Fils, Esprit Saint, tu vas nous faire la théologie de la Trinité. Est-ce que tu prétends mettre le mystère de Dieu dans ta petite boîte crânienne? Excuse-moi. Bien. Je suis désolé, ça ne tient pas debout. Je pense qu'il y a des personnes assez intelligentes qui nous suivent et qui comprennent très bien. Tout est très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. C'est très compliqué pour ceux qui veulent pas comprendre. L'archéologie scripturaire, et c'est là que tu as fini avec ça. D'abord, quand je vois la fraîcheur de tes photocopies, je me dis que ça date de très longtemps, ces histoires. Parce que ces théories-là sont complètement battues en brèche aujourd'hui, depuis plus de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, avec Marcel Jousse, on découvre que les évangiles de Marc et de Matthieu étaient littéralement appris par cœur. C'était la première catéchèse qui était enseignée deux par deux. Il se passait le micro, si je peux dire, à l'époque. Et c'était vraiment... Pourquoi? Parce qu'on a découvert tous les procédés mnémotechniques de l'époque, comme des colliers, des filets qu'on enfile, tout s'enchaînait, et comme ça, on pouvait retenir par cœur les évangiles. Parce qu'on n'avait pas encore le papier, ou pas suffisamment. Oui, pour consigner, mais, et on s'est aperçu, mais ça, ce n'est pas dans tes papiers à toi, hein, certainement pas à toi, on s'est aperçu qu'il y a des drôles de traductions grecques, parce qu'effectivement, ce qu'on a reçu, retenu, disons récolté, les autres ont été perdus, bien sûr, c'est des traductions grecques. Mais on s'est dit, mais les linguistes se sont dit, c'est bizarre, les formules sont bizarres quand même. Et puis en fait, on a fait une rétro-archéologie scripturaire, parce que grâce au syriaque et tout ça, on est capable maintenant de reconstituer l'hébreu du nom de Jésus. Et on s'est aperçu que le grec traduisait littéralement des formules hébreux, c'est-à-dire que les premiers évangiles, et c'était ton encyclopédie évidemment ignore tout ça, parce que ça c'était écrit avant, les premiers écrits évangéliques, c'est Matthieu et Marc, étaient appris et ont été rédigés en hébreu et ensuite traduits en grec. Donc bien avant les dates qu'on a lues.
L'évangile de Jean, tout le monde s'accorde pour dire que c'est fin 1er siècle. L'évangile de Luc, je ne sais pas trop, parce que Luc a fait une enquête. Mais il ne faut pas dire que c'est l'an 70, 160. Toutes les dates qu'il a données tout à l'heure sont fausses. Elles sont fausses. Ah, ben tu peux rire, ça ne va pas changer la vérité. J'ai parlé de rétro-archéologie scripturaire. Oui. Et ça, qui connaît ça? Tu le savais, toi? Que Jésus parlait en hébreu. Et c'est en hébreu que la première prédication s'est faite. Et ensuite, il y a eu la traduction en grec. Et donc, ça a pu prendre plus de temps. Mais je connais toutes ces théories-là. Elles sont complètement farfelues. Aujourd'hui, on en est complètement revenu. Maintenant, je continue. D'un bon point de vue différent, bien sûr. Le Jésus de la foi est confirmé en tout point par un faisceau d'autres preuves, des signes. Alors, on a parlé des prophéties, je ne reviens plus dessus. Mais si Dieu a fait des prophéties plusieurs siècles avant l'événement, n'est-ce pas, qui se sont réalisées en Jésus, ben c'est que, oui, d'accord, il était au contrôle, déjà dans l'Ancien Testament, bien entendu. Les miracles. Alors, les fameux miracles. Eh bien, aujourd'hui, la science est obligée de reconnaître qu'il y a des miracles opérés au nom de Jésus depuis un siècle et plus. La science. La science moderne, oui, oui, sous toutes ces coutures-là, qui sont authentiques, qui sont avérées authentiques. Et alors, on est obligé de se dire que, bon, ben, s'il y a des sciences au nom de Jésus maintenant, on ne voit pas pourquoi Jésus n'en aurait pas fait lui-même, lui le premier. Il en a fait des dizaines de milliers, tellement, comme dit Jean, qu'on ne les a pas recensés. Si Jésus n'avait pas fait des miracles, ce qu'on lit dans les évangiles quand même, il aurait été lynché en 3 jours. Parce qu'il pardonnait les péchés, c'était scandaleux, il appelait Dieu son père, il se faisait l'égal de Dieu, tout ça c'est dans Saint Jean d'ailleurs. Et donc, il ne faut pas s'étonner, le signe du Messie, il répond à Jean-Baptiste, regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent et tout ça, les possédés sont guéris, tout ça. Donc Jésus opérait des miracles, sinon il n'était pas le Messie. Bon, donc nier à Jésus le miracle, c'est mal parti déjà. En plus, non mais ça veut dire que c'est quand même historique. En plus, les premiers apôtres, quand ils ont commencé l'évangélisation après la Pentecôte, vous lisez bien dans les actes des apôtres à 10 reprises, le Seigneur confirmait la parole des apôtres par des signes et des prodiges, opérés par leurs mains. C'est-à-dire que, pour annoncer un Jésus crucifié et glorifié, enfin ressuscité et glorifié, s'il n'y avait pas un miracle, comme on le voit d'ailleurs, les premières conversions en masse, avec la prédication de l'apôtre Pierre dans les actes des apôtres, c'est parce qu'il y avait eu un miracle. Et qu'il y a eu plein de miracles, et tout au long de l'histoire. Bon, maintenant, si tu dis, non, les miracles, c'est quoi? C'est de la mythologie. Maintenant, ils sont authentifiés par la science. Et là, on va un peu plus loin, par le miracle le plus fabuleux, si c'est un miracle, c'est peut-être plus encore, le fameux linceul de Turin. C'est un vestige, tu parlais de vestige tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est la plus fabuleuse relique du Christ, de sa personne, de sa mort. Le linceul. Linceul, s'il n'y a pas de... Il y a le « i », linceul de Turin. Alors tapez ça sur Google, ça va corriger, je crois qu'on ne voit pas l'afficher. Si, mais par contre, si, j'affiche ici, la sainte face, en fait, c'est le visage tiré du linceul. Attention, il s'agit d'un négatif photographique, parce que le linceul est de couleur plutôt claire, comme ici, vous avez les papiers peints, là, ici, autour de vous, là. Et là, bon, d'accord, fait... mon père, oui. Je propose quelque chose. Comme vous êtes pratiquement à la fin des 5 minutes, que vous gardez cette image et vous allez réexpliquer plus tard. Oui, d'accord. Bon, ce linceul de Turin a été hyper étudié entre 600 000 et 700 000 heures d'études. Et il est dans le monde scientifique, il est reconnu comme absolument authentique. Il y a une chance sur 1 milliard qu'il ne soit pas authentique. La datation du carbone 14 existe complètement écarté par les scientifiques. On a fait une nouvelle datation par rayon X qui confirme qu'il remonte à 2000 ans. D'accord. Bon, ben oui. Vous allez, permettez, hein, vous allez poursuivre tout à l'heure, ça fait un peu... Ah mais non, mais ça c'est la pièce à conviction numéro 1. Justement, vous allez revenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, je vais vous poser une question pour vous relancer, et cette question vaut également pour Jean-Benoît Castéman tout à l'heure, s'il le veut, quand il va prendre la parole. Nous allons prendre l'exemple de Philon d'Alexandrie. C'était un théologien et un philosophe juif, hellénisé. Bien sûr. C'est-à-dire, il est né en l'an 20, voilà, avant la naissance de Jésus. Voilà. Et il est mort longtemps et après, voilà, également la mort de Jésus. Ouais, ouais. Bon, la question qui est curieuse quand même ici que je vais poser est celle de savoir, comment est-ce qu'un théologien, de cette époque, philosophe, qui est né en l'an 20 avant Jésus-Christ, et qui a des ouvrages, mais dans ces ouvrages, on ne voit pas, pour un révolutionnaire comme Jésus-Christ qui a marqué l'humanité, voilà, on ne voit à aucun moment dans ces ouvrages aucune mention
parler de Jésus. Ça, c'est sur le plan historique. Les Juifs l'ont refusé. Hein? Donc, beaucoup de Juifs l'ont refusé. Ce que vous dites, c'est ce qui est confirmé ici. Philon n'a jamais rien écrit sur Jésus-Christ, dans aucun de ses ouvrages, ni d'ailleurs aucun des contemporains. Valerius Maximus, moins 14 à moins 37. Pline l'Ancien, moins 23 à 77, à 79. Silius Italicus, 25, de l'an 25 à l'an 130. Persée, de l'an 34 à l'an 62. Lucas, donc, Dion Chrysostome, on a Stade, Martial, Sénèque, Juvénal, Tacite, Pline le Jeune, Suétone, Valérinus, Plutarque de Chéronée, Pétrone, Quintilien, Apulée. Tout ça, c'est des philosophes stoïciens, parfois grecs, parfois hébreux, parfois romains. Aucune mention. Dans l'événement comme celui-là, ils en ont aucune parlé. Mention. Maintenant, l'histoire de Flavius Josèphe que j'ai suivi, parce que je n'avais même pas encore terminé avec les évangiles. Parce qu'il fait une chute en avant. On n'est même pas encore arrivé dans la science. Il dit que ce document date de comme c'est vieux, que c'est photocopié. Je te rappelle, mon frère, ce document date de 2011. Mais le père il date de 2011 et il y a des confirmations a posteriori, c'est-à-dire que qui viennent appuyer tout ce qui est dit ici. Mm-hmm. Parce que les recherches les plus crédibles, c'est les recherches des gens qui sont situés entre le 1er siècle et le 5e siècle. Toutes les fabrications qu'ils viennent faire aujourd'hui, parce qu'ils ont un certain pouvoir sur les centres de recherche scientifiques, ils ont un pouvoir politique, ils ont un pouvoir économique, ils peuvent fabriquer des preuves. On connaît la falsification sur l'Égypte pharaonique. Donc, oui, ce n'est même plus un débat aujourd'hui. On va revenir sur la science. Je voulais préciser que le prêtre qui est en face de moi ne peut pas contester les dates que nous donnons parce que ces dates sont dénoncées par qui? Les Plotins, les Proclus, les Plutarques, les Jambriques de l'école d'Alexandrie qui étaient au courant de tout ce qui se passait tant en Palestine qu'en Grèce qu'à Rome. En réalité, c'était le grand centre des intellectuels. Et c'est là où reposait la bibliothèque d'Alexandrie. Donc tous les faits des petits groupes fanatiques qui se créent. D'ailleurs, il y a eu plusieurs histoires de Messie qu'on mentionne ici. Donc, on va faire comment avec ces gens-ci? C'est la question qu'on se pose toujours. Hein? Le nombre de Messie qu'il y a eu, on ne peut pas compter. Hein? C'est des centaines et des centaines de Messie. Ils ont exactement le même parcours. Le même parcours. Bon, même avant, 1500 ans même avant, on a l'histoire de Dionysos. Et puis, on a l'histoire même du Bouddha. On a l'histoire de Mitra. C'est tellement... Il y a une tellement grande légende sur ces histoires de Messie, même chez les Esséniens. Voilà, au deuxième siècle avant l'ère actuelle. Fondation de la secte des Esséniens. Mm-hmm. Et là, maintenant, on tombe à pic. Si les évangiles sont écrits a posteriori, comme on vient de le constater, mm-hmm. c'est-à-dire à partir de l'an 125, quels sont donc les écrits chrétiens les plus anciens? En réalité, ce sont les écrits de Saul de Tarse, qui est Paul. Donc, en réalité, c'est Paul qui crée le christianisme avec la complicité de son maître Gamaliel, qui était un rabbin, c'est-à-dire le rabbin supérieur, on l'appelait rabban Gamaliel. C'est-à-dire qu'il était un pharisien, voilà. D'où sort la secte des pharisiens? C'est très important, c'est-à-dire l'étape que je décline ici pour montrer la naissance du christianisme. Oui. Si Jésus est déjà démontré qu'il n'a pas une existence historique, c'est tout simplement la reproduction de la philosophie essénienne et la transposition de cette philosophie dans une nouvelle doctrine qui doit concurrencer la secte essénienne en vue de la faire disparaître. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu avec les manuscrits de Qumran. Et c'est la raison pour laquelle, dans aucun manuscrit de Qumran, on ne retrouve le nom ni de Jésus, ni de Jean-Baptiste, ni de Marie, ni de Joseph. Or, ce sont des écrits à tendance messianique. Je suis le Fils de Dieu, je suis assis à la droite du Père, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est des écrits qui datent de l'an 250 avant l'ère actuelle. Donc, rien de nouveau sur ce qui est raconté dans les évangiles, qui ne sont rien d'autre que les reproductions des textes plus anciens. Oui, mais donc, sur le plan historique, il nous montre quand même cette image, c'est-à-dire le visage de Jésus qui émane du linceul avec lequel on l'avait... Je vais arriver, bon, s'il faut aller rapidement, d'accord. On arrive au niveau du linceul. Parce que quand nous parlons toujours avec les preuves à l'appui. Hein. À bonne nous chance, avec le linceul qui est mal barré. Nous avançons.
par rapport au linceul. Ça, c'est très important. Très rapidement, il vous reste 30 secondes. Toute la science qui est contre toi, là. Par rapport au linceul, nous avons d'abord la couronne d'épines. La couronne d'épines du Christ arrive à Paris totalement intacte. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le linceul. De tous, Saint-Germain, Charlemagne, la ville de Pise, en faisant des épines ou des morceaux. On dit que ça arrive à Paris tout entier. Ça n'a rien à voir avec le linceul. Tu es malhonnête, c'est là. C'est pas possible. Mais quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Mais il n'y a pas de couronne d'épines sur le linceul. Je vais revenir sur le linceul. Si mon temps est bien écoulé. Prépare-toi plutôt. Je vais revenir sur le linceul. D'accord, prépare-toi, oui. D'accord, c'est bien. Comme ça, il va prendre la parole pour... Allons-y, mon père. Bon, je ne peux pas répondre à toutes les citations des auteurs. En tout cas, moi, j'ai cité quand même Talus, Pline, tout ça, qui ont parlé de Jésus quand même. Donc, tu dis que non, tu dis que oui, c'est peut-être pas les mêmes et tout ça. Est-ce qu'on ont parlé du Christ ou alors de Jésus? C'est pourquoi j'ai voulu qu'on définisse. Mais non, mais c'est Jésus-Christ. Mais Jésus, c'est un nom assez courant à l'époque. Ils ne peuvent pas dire Jésus. Ou alors Jésus de Nazareth. Donc on dit Jésus de Nazareth ou Jésus-Christ ou Christ le Messie. D'ailleurs, s'ils ont parlé de Christ... Parce que tout à l'heure, toi t'as dit comment est-ce que le terme Christ est venu habiller après le nom de Jésus-Christ. Voilà. Mais c'était le Messie. Le Messie en hébreu, c'était ça. Mais oui, pourquoi? Pour l'identifier davantage. Mais Jésus était bien le Messie annoncé par les prophètes. Et il a dit à Jean-Baptiste, regardez les signes du Messie. Et c'était ces miracles. Bien. Le nombre de Messies. Oui, bien sûr, il y a eu des Messies. C'était tous, grosso modo, des révolutionnaires. Et Jésus, justement, c'est ce que reconnaît Fabius Joseph, c'est que Jésus n'était pas tout comme eux. Vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs Messies et tous étaient révolutionnaires. Jésus a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis. Bon, Jésus nous a prévenu qu'il y aurait des faux prophètes, des faux messies. Jésus nous l'a dit. Et ça ne m'étonne pas qu'il y en ait eu des faux. Je connais aussi Teudas et compagnie. On en parle dans les Actes des Apôtres. Et bien sûr, parce que pourquoi les Juifs attendaient la venue d'un Messie. Et la période où Jésus est venu, eh bien, c'était aussi la période qu'ils savaient. Donc, il y en a qui ont voulu prendre un peu la balle au bon et dire, c'est moi le Messie. Ils sont tous morts. Et d'ailleurs, il y en a un seul Messie qui est ressuscité et qui a fait des miracles, c'est lequel? C'est Jésus. Ah, bon. Ah oui. Ah ben tiens, ça t'étonne, peut-être, Tot. Mais pourquoi cette drôle de coïncidence avec les messies précédents qui ont pratiquement le même ou alors à 100% le même parcours que Jésus? Mais non, mais non, pas du tout. Né d'une mère vierge à 12 ans. Non, c'est faux. Non. Je lui rappelle que deux siècles avant Jésus, Apollonius de Tyane et Empédocle de Trigane faisaient des miracles. Ils ne sont pas d'origine surnaturelle. Non, certainement pas. Ah bon. Ben tiens. Et en plus, non, et ressuscité, certainement pas, non plus. Et les miracles, je suis désolée, ils n'en ont pas fait. Donc, il n'y a qu'un seul vrai Messie, et on a le linceul de Turin, et puis après, je continue. La résurrection. Parce qu'on peut dire, la résurrection, c'est encore un mythe. Bon, premier mythe, c'est de dire, les chrétiens ont copié sur Isis et Osiris. Bon, j'ai répondu au début de l'émission qu'on ne fait pas l'histoire avec ça, hein. C'est pas parce que l'homme ressemble à un singe que l'homme est un singe aussi. Hein. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Oui. Deuxièmement, on a dans Matthieu chapitre 28, c'est le Sanhédrin qui a dit, vous répandrez la rumeur qu'on a volé son corps, et comme ça on dit qu'il est ressuscité. La disparition d'un corps ne prouve pas une résurrection. Ce qui commence à mettre la puce à l'oreille dans les évangiles, c'est que est resté dans le linceul et les bandes. D'accord? Ça prouve qu'on n'a pas volé le corps, parce que sinon, on aurait emporté le corps dans son sac. Et puis d'ailleurs, je reviens sur la question. Ces apôtres désespérés, quel culot, mais quelle imbécilité aurait-il pour avoir lancé un truc de résurrection comme ça, en volant le corps et en le faisant disparaître? C'est stupide! Ils n'avaient rien à dire, ils n'avaient pas de miracle, ils étaient désespérés. Ensuite, autre élément qu'on peut imaginer pour dire la résurrection est un mythe, c'est les hallucinations collectives. Un hallucinant collectif de plus de 15 personnes, ça c'est lors des premières apparitions après la résurrection. Et Paul parle dans son épître aux Corinthiens, écrite dans l'an 45, un peu plus ou moins bien sûr, et il dit qu'il est apparu, ressuscité, est apparu à plus de 500 frères à Jérusalem. 500 frères à la fois. Tous les psychiatres vous diront que les hallucinations sont comme ça. Ça n'existe pas. D'ailleurs, quand Jésus apparaît à ses apôtres après sa résurrection, il ne veut même pas accepter qu'il est vraiment ressuscité, ils le prennent pour un fantôme. Donc c'est l'inverse d'une hallucination. Donc la théorie de l'hallucination, vous la mettez par terre. J'oubliais de dire, j'aurais pu commencer par là, ceux qui disent que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix.
Donc il n'est pas vraiment ressuscité, bien sûr. Ça, c'est complètement ridicule. Pourquoi? Parce que le soldat, le centurion surveillait, il a vu qu'il était mort, bougeait plus. Bon, il a, au lieu de briser les jambes, c'était peut-être moins drôle, il a enfoncé sa lance dans le cœur. Il coula du sang et de l'eau. Les médecins savent très bien que quand on meurt par asphyxie, comme dans une crucifixion, il y a de l'eau dans le cœur. Bon, tout ça s'est prouvé sur le linceul. Et donc, on sait que Jésus est vraiment mort. Bon, maintenant, qu'est-ce qui reste comme hypothèse? Bon, que la résurrection est vraie, tout simplement. Et vous avez dans l'histoire, depuis plus d'un siècle, quantité d'historiens, qui étaient plus ou moins athées, qui se sont acharnés à démontrer que c'était tout ça, c'était une supercherie, une imposture. Et finalement, ils ont tous renoncé, parce qu'ils disent c'est impossible. Ah, voilà, écoute, je souhaite tu n'es pas le premier à étudier ça. Hein. Je souhaite une fois de plus que vous présentez cette image, et puis vous expliquez... Maintenant, aux téléspectateurs, oui, à quoi ça renvoie, parce que vous êtes dans votre temps, vous expliquez aux téléspectateurs, voilà, très alors, bien, il y a du reflet. À quoi est-ce que ce visage renvoie? Ben, c'est le visage du Christ, bien sûr, mais alors, il y a du sang, bien sûr, mais le sang, on voit ça en plus clair, on voit le sang de la couronne d'épines, mais il n'y a pas la couronne d'épines, hein, ça n'a rien à voir avec le linceul, il n'y a rien, pas de couronne d'épines sur le linceul, les blessures, oui. Et puis, alors, donc, c'est une photo en négatif, ça fait un peu peur, peut-être, mais en fait, quand vous voyez en positif, c'est légèrement ocre, le tissu, et l'impression de la photographie par irradiation atomique, pardon du peu, elle est légèrement rousse, enfin, plus jaune, quoi, ou presque rousse, mais c'est très faible. Mais ça a été hyper, hyper étudié par la science. Tous les moyens possibles depuis... c'est l'objet le plus étudié par la science et le plus confirmé par la science. Et confirmé par la science. Le plus confirmé. Une chance sur un milliard, ça c'est un chiffre théorique, que ça ne soit pas Jésus Nazareth. D'accord. Ou Jésus-Christ. D'accord. Allons-y, Todd. Nous revenons sur l'image qu'il présente. Le linceul. Parce que depuis, il est venu avec, il a cru qu'il allait mettre les gens KO dès que lui, il a déjà ça. Premièrement, je voulais préciser à ceux qui nous écoutent que, à l'heure actuelle, les grands centres de recherche sont entre les mains de ceux qui ont révisé l'histoire et qui ont falsifié l'histoire. Théorie du complot. Les grands centres de recherche sont entre leurs mains. La preuve en est que, depuis la découverte de l'Égypte, vers le XVIIe siècle, ils ont tout fait pour démontrer que l'Égypte était blanche. Mais, malheureusement pour eux, il y a eu des chercheurs parmi eux-mêmes qui sont entrés dans les arcanes, qui ont réussi à démontrer que l'Égypte est négro. Et les Noirs qui sont allés plus loin, notamment Tchekanta Diop et toute son équipe, pour démontrer que l'Égypte est noire. Reviens là. Donc nous comprenons que, déjà sur cette base-là, les choses comme ce qu'ils présentent là n'ont aucune crédibilité. Parce que sur la base du souci de réviser l'histoire, et ne peuvent réviser l'histoire que ceux qui n'ont pas une histoire. Donc, c'est-à-dire que ce sont les scientifiques de mauvaise foi qui produisent ce genre de preuves de falsification. Toute la science est de mauvaise foi, c'est ça? On revient sur ça. 1357, le Saint-Suaire. Apparition du Saint-Suaire en 1357, de l'an actuel. À 3. La pièce de l'an de 4,36 m par 1,10 m qui aurait servi à envelopper le corps du Christ. La Bible est claire à ce sujet. Il n'y a jamais eu de sueur, mais des bandelettes pour entourer le corps de Jésus. Le linceul contiendrait l'image du Christ. Il a été fabriqué au XIVe siècle. Un mensonge de plus. Il a suscité d'innombrables controverses qui ne sont pas encore éteintes aujourd'hui. En 1390, le pape Clément VII promulgue 3 bulles pour donner raison à l'évêque Pierre d'Arcis, qui découvrit la fraude en 1377. Contrairement, c'est le pape qui donne raison que c'était une fraude. Contrairement à ce qui a été affirmé, le sueur a été plusieurs fois facilement reproduit en utilisant des techniques connues au Moyen-Âge, par exemple par le docteur Costanzas de Choux de Marseille. Notons que le Saint-Suaire de Turin est constitué d'un serge de lin écru, tissé à chevron, en arête de poisson, à 3 points par 1. Cette technique nécessite un métier à tisser horizontal à 4 marches. Ce type de métier a été inventé par les Chinois vers le 5e siècle, puis est arrivé au Moyen-Orient au 6e siècle. De nos jours, l'Église, pour éviter le ridicule, ne prétend plus à la réalité historique de l'objet. Le sueur n'est pas une donnée de foi. Chacun est libre de se former une opinion, c'est ce que l'Église dit. L'Église appelle à vénérer un signe,
une image, une icône, qui justement, parce qu'elle ravive en nous la passion et la mort du Christ, conserve sa valeur comme objet de piété et mérite donc le respect. Donc, c'est le pape qui parle. Oui. Attends, c'est pas... non, la non, vénération non. Catholique. De quelle époque, ça? De quelle époque? La vénération catholique envers le sueur n'est pas du tout déterminée par le problème de sanctification. La bonne attitude face au sueur est de ne pas s'arrêter à l'image gravée sur la toile, mais de remonter par l'esprit. C'est ce qu'il nous invite à faire, hein, de remonter par l'esprit, par le cœur, vers la personne que l'image rappelle. Cardinal Giovanni Saldarini, archevêque de Turin, gardien pontifical du sueur, source http site google.com site. Mais c'est quand même assez, entretien. Non, je réponds à tout ça. Voilà la source. Entretien au journal La Croix du Catholique International, Arte, Science et Vie, numéro 1054 juillet 2016. Ça, c'est les références. Oui, ce sont les références que je donne. Bon, c'est quand même assez clair. Ça veut dire que c'est pas non, non, la thèse selon laquelle je réponds. Oui, et le pape parle. C'est le pape qui parle. Le pape, on a dit le pape qui? Le pape qui donne raison. On dit le pape Clément VII mais c'est très promulgue bien. Trois bulles pour donner raison à l'évêque Pierre d'Assise. Je vais répondre. Qui découvrit la fraude en 1377. Je réponds. D'accord, il lui reste 30 secondes. Donc, maintenant. Ça veut dire, ce qui est important, c'est les références. Je réponds qui à tout. À tout ce mais non, 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 mais c'est complètement. C'est complètement dépassé. C'est un très vieux papier tout ça. Un très vieux papier. Maintenant, je voulais terminer en ce qui concerne les... Allez voir sur Internet les articles et vous verrez que ce n'est pas ça du tout. En ce qui concerne les messies, je voulais terminer rapidement en ce qui concerne les messies. Parce que, par exemple, ici, on nous parle de toute une panoplie de messies. Toute une panoplie. J'en ai parlé, non. Peut-être que je vais revenir. Voilà, le temps que vous le trouvez. Mais je voulais quand même ajouter, en ce qui concerne les histoires de miracles... Le philosophe Empédocle d'Agrigent, qui a vécu autour de l'an 250 avant l'ère actuelle, faisait des miracles. Le philosophe et thaumaturge Apollonios de Tyane, qui a vécu au 1er siècle, faisait des miracles, il guérissait les malades et il ressuscitait les morts. Bon. Et la question de résurrection des morts est mentionnée dans le livre de Proclus intitulé « Commentaire sur le Timée de Platon », où il montre qu'il y a eu plusieurs cas de résurrection et Proclus a existé au 4e siècle. Mm-hmm. Donc, de l'ère actuelle. Et il démontre dans ses textes, c'était un philosophe de l'école d'Alexandrie et d'Athènes. Et il démontre qu'il y a plusieurs cas de résurrection. Je réponds. D'abord, le démon est capable de faire des miracles aussi, des prodiges, pour tromper les foules. Et c'est très clair dans l'Apocalypse. Nous, là, les chrétiens, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2,5. Et là, on a la connexion hautement sécurité avec le Seigneur. Nul ne peut aller... Par contre, des miracles, le démon est capable d'en faire. Oui, et mais même Jésus, là aussi, c'était le maître des démons. C'est vrai. Oui, mais Jésus a parlé du péché contre l'Esprit Saint parce que c'était de la mauvaise foi accomplie. Donc, le démon est capable de faire des merveilles pour égarer les foules. Si Proclus a opéré au nom de Jésus, j'ai confiance, mais j'en doute. Maintenant, dire que les grands centres de recherche, alors tu as dérapé sur l'Égypte et tout ça, ils veulent accréditer le christianisme. Tu rigoles ou quoi? Le christianisme n'a jamais été aussi battu en brèche, mais maintenant, c'est la grande victoire à travers le linceul de Turin. Il y a encore Jean-Christian Petit-Fils qui est un renommé historien qui vient d'écrire son dernier bouquin, Le linceul de Turin. Et je répète à mes amis téléspectateurs, allez naviguer sur Internet, tapez linceul de Turin ou suaire de Turin, et vous allez voir le nombre de vidéos, de conférences, d'articles et tout ça, et qui ne vont pas du tout dans ce sens. Non. Mon père, vous avez quand même suivi. J'ai égaré les gens. Ils vont aller taper, ils vont tomber sur des sites de l'église catholique qui vont les égarer. Mais c'est faux. Je les envoie découvrir cet article-ci. Intitulé « Histoire et chronologie de la chrétienté ». Voilà. Document. Moi, je préfère. C'est le document qui va vous donner des chercheurs crédibles, objectifs. Oui, parce que si vous allez sur le net, vous allez tomber sur l'église. Le fascicule intitulé Histoire et chronologie de la chrétienté. Voilà. Le gros mensonge, à la caméra. Le gros mensonge de la Bible. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà l'histoire et chronologie de la chrétienté. Oui, le gros mensonge de la Bible. Oui, le gros mensonge. Maintenant, je récupère mon temps de parole que j'ai perdu. Oui, non, bien entendu. Okay. J'en tiens compte, mon père. Donc, vous en faites pas. C'est faux. Tous les sites et tous les livres que vous trouvez, bien sûr, sur Internet, que je recommande, ils ne sont pas catholiques.
Ils sont scientifiques pour la plupart. Ils sont scientifiques pour la plupart. Parce que si on dit non, et l'Église catholique, d'ailleurs, on a vu l'histoire, bon, les bandelettes, trois. C'est qu'il y a une traduction ou bandelette, le terme grec, ou bandelette, ou linceul. Et je déplore que dans beaucoup de Bibles, même, genre, j'ai vu les autres, ils parlent de bandelette. Alors on ne sait plus si on a affaire à une momie égyptienne ou si c'est un linceul. En fait, c'est un problème de traduction. 14e siècle, alors si vous pensez que c'est le carbone 14, c'est complètement faux. Carbone 14 n'est pas fiable, évidemment, dans ça, et puis, de toute façon, il ne peut pas contredire toutes les études positives sur le linceul. L'évêque de Troyes, oui, ça oui, c'est la querelle qui a été... Pourquoi ? Parce que l'Église catholique, dans ces prélats, a toujours été très prudente sur toute forme d'exploitation ou de supercherie du peuple. C'est pour ça qu'il a... Je vais revenir sur l'Église. Allez-y. Mon temps de parole encore. Oui, bien entendu. Non, l'Église a toujours été prétendue. Et on est tombé sur un évêque, l'évêque de Troyes, c'est-à-dire le premier passage du linceul, qui a dit « je ne crois pas ». Mais je préfère écouter les scientifiques aujourd'hui. L'évêque de Troyes, c'est le Moyen-Âge. Non. Et pour éviter la querelle, le pape a dit « bon, d'accord, fais comme ça, comme ça ». Mais maintenant, c'est complètement révisé. On est au 21e siècle maintenant. Arrêtons de ressortir ces vieux papiers, enfin. Mais je connais la querelle de Troyes. Bon, le 14e siècle, c'était Troyes, mais il y a aussi le carbone 14 qui est faux, là. Innombrables controverses. Cherchez les controverses sur Internet. Vous aurez en francophonie, en français, Éric Blanru, qui se fait le seul qui controverse le linceul. Il se fait torpiller de toutes parts par les scientifiques. Moi, j'en appelle à témoignage Internet. Parce que tu ne peux pas publier des livres, des vidéos, filmées bien sûr, et sur YouTube, ou bien des articles, pour dire que c'est un faux. C'est tellement banal. De toute façon, c'est déjà gagné. Les gens retiennent toujours un faux du Moyen-Âge avec le carbone 14. Pas besoin de publier des choses là-dessus. Et pourquoi y a-t-il tellement de gros bouquins? Et je ne parle même pas du monde anglophone, c'est 10 fois pire. Tu crois qu'ils ont rempli des centaines de pages pour ne rien dire? Je reste dans votre temps de parole. Je continue. Et puis je vous relance, permettez. Je reste dans votre temps de parole et je vous relance. Il a cité le nom d'un pape tout à l'heure qui parlait justement du linceul. Également, il a donné la référence... Je réponds à tout ça. ...qui bat en brèche... Je réponds à tout ça. D'accord. Bon, alors vite. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI a un peu à m'arranger les choses. Jean-Paul II disait l'homme du linceul, parfaite icône de la... Et ça mettait en colère les scientifiques de l'époque, parce que c'est pas si vieux, hein, parce que les scientifiques disent non, le linceul est authentique. Mais le pape, à l'époque, le pape Jean-Paul II, il avait trop peur de retomber dans une querelle qui prenait son cul. De toute façon, l'Église avait qu'à dire qu'est-ce que dit la science? La science dit il est authentique. Point barre. Et d'ailleurs, Arnaud Pinsky, un des plus fervents défenseurs du linceul, il dit, écoutez, il a lancé un défi au pape, je crois, Benoît XVI. Vous devez interdire l'ostension du linceul parce que vous montrez un faux. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que c'est pas une science partisane, comme il a dit, non, comme il a non, relevé voilà. Non. Plus les gars sont financés. Bah, attends. L'unanimité, à quelques exceptions près, dans le monde scientifique. Mais il ne suffit pas de le dire comme ça, il faut le prouver. Allez voir sur Internet. Ta parole n'a pas beaucoup de poids. Allez voir, mes amis, sur Internet. Et puis, l'archevêque de Turin que tu as cité, là, c'est justement en 1988, lorsqu'est tombé le verdict, soi-disant faux, du carbone 14. L'archevêque a dit, oh non, mais vous savez, c'est... Oui, mais de toute façon, on ne va pas s'arrêter là, tout ça, parce qu'il a fait pipi dans ses culottes. Oh, et là, en 1900... L'archevêque de Turin qu'il a cité tout à l'heure. Oui, d'accord. Il a fait pipi dans ses culottes. Mais les scientifiques, eux, ils ne sont pas arrêtés. Ils ont dit, attendez, on a trop de preuves de son authenticité. Et l'année suivante, en 1989, à Rome, il y a eu un symposium international scientifique qui a déclaré que le soi-disant carbone 14 n'était pas fiable. Et qu'on avait trop de preuves de l'authenticité pour invalider tout ça au nom d'une seule étude qui, elle-même, n'est même pas fiable sur les tissus. D'accord. Tout ça, c'est de la manipulation. D'accord. Et tu vois... La manipulation... Attends. Et tu vois, Toth... Nous allons... Oui, mais ça fait... Je continue. Avec ce que tu viens de lire, ton papier est complètement discrédité. Mais c'est pas toi qui discrédite mon papier. Allons-y. Ah si, c'est complètement... Mon papier n'est pas discrédité. Ou alors vous avez rebondi sur ses propos. Je rebondis d'abord sur ses propos parce qu'il dit que l'Église a toujours fait attention à ce que la science dit. N'est-ce pas? Attends, j'ai pas dit ça comme ça. Finalement, ça veut dire que... Allons-y, poursuivez. Si l'Église n'a jamais fait attention à ce que la science dit, ça veut dire que l'Église a fait la promotion de l'obscurantisme.
Mais c'est juste, et si l'Église a toujours prêté attention à ce que la science dit, c'est contradictoire au fait historique. Oui, puisque nous sommes dans un monde qui évolue à base des éléments scientifiques, des preuves scientifiques, des faits. Or, la philosophie, la période du Moyen-Âge, on l'appelle la période de l'obscurantisme. Vous savez pourquoi ? Voici les éléments. En l'an 415, Hypatie, la dernière grande mathématicienne de l'école d'Alexandrie, par ailleurs fille de Théon d'Alexandrie, directeur de la bibliothèque, est mise en pièces et tuée par une foule de moines chrétiens inspirés par Cyrille, patriarche d'Alexandrie, que l'Église canonisera. Son assassinat marque un tournant après sa mort. De nombreux chercheurs et philosophes quittent Alexandrie pour l'Inde et la Perse. Et Alexandrie cesse d'être le grand centre de l'enseignement et de la science du monde antique. Désormais, la science régressera en Occident et ne retrouvera un niveau comparable à celui d'Alexandrie antique qu'à l'aube de la révolution industrielle. 416, l'empereur Théodose II décrète que seuls les chrétiens peuvent combattre dans son armée. Vers l'an 420, apparition des premières représentations. Là, on parle au niveau de la science. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre. D'abord, il faut préciser que la fermeture de l'école d'Alexandrie, c'est vers le 5e siècle. De l'école de néo-platonicienne, l'école de Platon, ferme au 5e siècle. Par qui ? Par la décision d'un empereur. Je crois qu'on parle de ça ici. L'empereur Justinien fonde le couvent. Fermeture de l'an 525. Fermeture de l'académie de Platon à Athènes. Le savoir antique violemment critiqué par les pères de l'Église, tels que Saint Augustin, disparaît des esprits. Un voile tombe sur les sciences. Source, HTTP site Google, comme site le gros mensonge de la Bible. Et les nouveaux mondes du cosmos, Mayor Frey, c'est la source. En l'an 550, Cosmas, un moine chrétien, décrit l'univers. D'après lui, la Terre est en bas, seul point stable de l'univers. Elle a une forme parallélépipède, comme le tabernacle de Moïse. Au nord, une montagne autour de laquelle tourne le soleil. D'où les saisons, les jours et les nuits. Il a donc fallu seulement 4 siècles après Ptolémée pour qu'il ne reste plus rien dans le monde chrétien de l'héritage ancien des philosophes. Donc, je ne vais pas aller très loin. Donc, non seulement ils ont combattu les philosophes, parce que même dans leurs propos, ils disent que ceux qui se disent ça sont des fous, et tout ça, et que la vraie sagesse divine, c'est dans la foi. Parce que même dans leur texte, ils disent ça. Que la philosophie, c'est l'affaire des fous. Et que ce n'est que l'Esprit Saint qui donne la vraie révélation. C'est complètement la science des sages, c'est la science des fous. Complètement. Maintenant, on avance. Lorsque on constate que les temples anciens sont détruits, notamment les temples de Mitra, les temples de Vénus, les temples de Zis, les temples d'Osiris, et tout ce qui est détruit. La bibliothèque d'Alexandrie est incendiée et les gars s'accaparent les manuscrits, ils partent garder ça à Rome. Et ils ne s'en servent même pas pour but scientifique. Ils s'en servent parce que l'objectif, c'est de maintenir le peuple dans l'obscurité, afin que ce peuple puisse davantage être bien manipulé. Et c'est le même phénomène qu'on observe aujourd'hui. Il nous donne aujourd'hui l'impression que l'Église aime déjà trop la science. Ou alors que ses frères qui ont créé, qui ont révisé l'histoire, aiment trop la science. Regardez aujourd'hui la question des fake news, des publications scientifiques qui sont remises en question. Oui, hein? De plus en plus. Exemple. C'est-à-dire que... Exemple. Non, exemple, le buste de Nefertiti, qu'on nous présente toujours, on dit que c'est une blanche. Hein? On date ça, on dit que c'est en 1983 qu'on a fabriqué ça. Donc, oui, tous les niveaux, on constate qu'il y a tellement de preuves dans leur science révisionniste qui prouve que... C'est l'archéologie, c'est pas, l'archéologie. C'est pas l'Église qui est responsable de ça. L'Église est derrière tout ça. Ah, oui. Parce qu'il faut maintenir une idéologie hégémonique. Et tout peuple qui aurait prétendu avoir eu une spiritualité ou une science ne doit pas être crédible. Donc, d'où le révisionnisme, tant dans le domaine idéologique que dans le domaine scientifique et que dans le domaine spirituel. Donc, aujourd'hui, tout ce dont ils parlent là ne vaut pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, la supercherie est dévoilée. Lorsqu'on arrive en Russie, on voit les statues des vierges noires. Ce n'est pas les vierges blanches ou les Jésus blancs qu'on nous présente. Même ici. En France. Hein? Voilà. D'accord. Donc, pourquoi les vierges noires ne sont-elles pas exposées? Et pourquoi ça? Et là, on comprend. Tout à l'heure, ils parlent de manipulation, mais la manipulation est plutôt de leur côté. Mais sauf que, avec une jeunesse éclairée,
nous n'allons plus gober n'importe quoi. D'accord. Bon. Non, je propose, hein, on va prendre un verre d'eau du côté de la régie pour respirer un peu, quelques secondes. Il nous reste exactement 20 minutes. Malheureusement, oui. Le temps passe vite. Bon, mais si, moi, je peux continuer. Voilà, on va prendre rapidement un verre d'eau du côté de la régie. Ne perdons pas le temps. Et on va se retrouver, justement, c'est quelques secondes, et puis on se retrouve juste derrière pour poursuivre le débat. Sur Kemet Télévision et vous regardez votre émission Kamita. Cette émission, elle est toujours importante de le rappeler, qui passe tous les samedis entre 10h30 et 12h. Nous sommes à la fin du mois et c'est un face-à-face entre le père Jean-Benoît Casterman et Thoth, l'ontologue, métaphysicien et égyptologue. C'est vrai, il y a nombreux sont les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On ne peut pas tous les citer, mais je vais quand même faire un coucou au Magie Todou du CED, avec tous ses compagnons, avec tous ses camarades qui sont actuellement scotchés en train de regarder cette émission. Un coucou à vous là-bas. Nous espérons que nous serons ensemble tout le temps. Alors, mon père, je rebondis par vous à travers une question. Je veux prendre l'exemple de l'Égypte pharaonique. Si aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un doute de l'histoire de l'Égypte pharaonique, c'est tout simplement parce que nous avons des preuves tangibles. Parmi les preuves, nous avons encore jusqu'à aujourd'hui les momies de ces monarques-là dans la vallée des rois. Oui, mais vous prenez votre temps de parole, effectivement, quoi. Qui démontrent effectivement que l'histoire de l'Égypte a existé. Mais la non-existence des vestiges ou bien des preuves ne veut forcément pas dire qu'un personnage n'a pas existé. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a tant de controverses sur Jésus-Christ, même le lancer que vous avez brandi tout à l'heure, tout a démontré à travers un pape, c'est-à-dire l'évêque de Turin, qui a démontré qu'il ne faut pas se fier. C'était le chargé de surveiller le linceul, c'est pas le pape qui a prononcé ça. D'accord. C'est d'accord. Faux. C'est allez-y, faux. Je mets le bon, mais je dois répondre. Je suis assez stupéfait par la charge obscurantiste de Thoth, parce que je ne sais pas quel historien sérieux aujourd'hui, peut prendre au sérieux ce qu'il dit. C'est pas possible. Le Moyen-Âge était obscurantiste. À mesure qu'on découvre le Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'il est de beaucoup moins obscurantiste et qu'il y a un obscurantisme des Lumières qui est venu après, justement. Le Moyen-Âge, c'est vrai, c'était pas parfait, mais il y avait quand même une sagesse beaucoup plus importante qu'on peut. On a traité ça des Dark Ages. C'est faux, maintenant, historiquement. On dit, on ne peut plus dire ça. Donc, il n'y a pas eu une période noire pendant le Moyen-Âge où effectivement. Beaucoup moins qu'on ne le dit. Maintenant, et l'Église est obscurantiste aussi, c'est ce que j'ai entendu. Elle est contre la science. C'est faux. L'Église, dès ses origines, il y a 2000 ans, a épousé la rationalité grecque. Pourquoi l'Académie de Platon a-t-elle été fermée? Question. Je ne connais pas. Voilà. Mais voilà une preuve flagrante. Maintenant, tu vas me répondre à la question. Et pourquoi et le problème de Galilée, c'est quoi au fait?
Non, je ne parle pas encore de Galilée. L'académie de Platon a-t-elle été fermée, oui ou non? Excuse-moi. Si, effectivement, nous savons que cette académie a été fermée. En tout, voilà, en tout cas, raisons, ça ne te permet pas de dire que même Saint-Augustin, tout ça, se sont opposés au savoir grec. Il serait au contraire, il faut lire Saint-Augustin. Oui, il faut reprendre ce que vous avez dit. C'est de la grande... Ils se sont opposés au savoir grec, n'est-ce pas? C'est faux. Possible. Et comment se fait-il qu'ensuite, on a... C'est Aristote. Plotin, c'était plutôt... qu'est-ce qui opposait, qui prenait plutôt Plotin comme référence, c'était plutôt Platon, hein, pour Augustin. Ils ne sont pas opposés à la philosophie grecque. Comment il y a des aspects peut-être où certains n'étaient pas d'accord. Le christianisme a épousé dès le départ la philosophie grecque. Et c'est pourquoi, je vais vous choquer, mais je n'ai pas peur, la science moderne est née en contexte chrétien. Et c'est reconnu autant par des scientifiques que des historiens que des philosophes. Ah, pourquoi? Parce que l'Église a toujours favorisé la science. À l'époque, c'était les universités. Les premières universités au Moyen-Âge, c'est l'Église. Et d'ailleurs, Galilée a été formé par les jésuites, qui eux-mêmes ont permis l'éclosion de grands scientifiques. L'Église a toujours appuyé la science. Et c'est comme ça que la science moderne, après 16e, 17e, a pu naître. Elle n'est pas née en Chine, avec pourtant une très grande civilisation, la Chine. Elle est née en Europe. Pourquoi? Parce qu'on avait développé toute la rationalité. Et en particulier saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. C'est Aristote. On ne va pas dire que la science était contre la philosophie. Pardon, l'Église a jamais été contre la philosophie et contre même, la science. C'est l'Église qui chapeautait même le pouvoir politique. Je me permets... Donc, mais a dit que la science s'est appuyée sur l'Église. Bon. L'Église a favorisé l'éclosion de la science. C'est ce que je dis, il faut être précis. L'Église n'a pas favorisé. Ça, c'est faux. Et ça, je ce suis... que vous dites est faux. Bon, alors, allez voir mon site. Là aussi, j'ai écrit un site, si vous pouvez voir, si on peut zoomer. Mes raisons d'être chrétien. Et là, ce que vous dites est faux. Non. Pourquoi vous l'envoyez vers ce site-là? C'est mon site à moi, non? Je prends quelques exemples. Et ton papier, alors c'est quoi? Je prends quelques exemples pour montrer que l'Église n'a pas fait la promotion de la science. Descartes, lors de ses rédactions de discours sur la méthode et de méditation cartésienne, est menacé. Il est menacé même sur sa théorie de l'univers. Quelqu'un comme le philosophe allemand qu'on a appelé celui que Hegel a copié, là, comment on l'appelle? Et affiche Schelling. Schelling a été chassé de l'université à cause de... C'est l'Église qui s'oppose aux thèses de Schelling, les thèses théosophiques. Il est chassé et il revient parce qu'il modifie, c'est-à-dire qu'il s'est arrimé à ce que l'Église voulait. Ce n'est pas de la science, la théosophie. Avant l'avènement de la philosophie grecque, oui. Est-ce que, si oui, l'Église existait déjà, est-ce que... Cette philosophie grecque-là ne s'est pas appuyée comme le père... La philosophie... Sur, L'Église est venue après la philosophie grecque. L'Église, justement, d'accord. Pour montrer même d'abord, quand on a fini de montrer que Jésus-Christ est un mythe, on rentre maintenant sur la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne n'est pas un enseignement émanant d'un individu. C'est une compilation de mythes et de philosophies. Compilation. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord ceci que je présente au public, les manuscrits esséniens. Et je précise que dans le grand recueil qui est à plus de 1500 pages, il n'y a nulle part dans ces manuscrits le nom d'un Jésus de Nazareth, le nom d'un mari ou d'une Marie mais ou d'un Joseph. Jésus n'existait pas à l'époque. J'ai le texte entier. Ce qui en a besoin. Jésus n'existait pas. Même le terme Christ n'existe pas. Mais dans les manuscrits. Jésus n'existait pas à cette époque. Voilà. Il est venu après. Voilà. Donc, quand certains disent que les manuscrits du Seigneur viennent confirmer la vérité de la véracité de la Bible, parce qu'il y en a qui le disent. Et lui-même, il l'a dit la dernière fois lors de la dernière mission. Lorsqu'on a compris donc ça, que la doctrine chrétienne ne vient pas d'un individu, et le miracle qu'il fait. Qu'on lui attribue. Les gens ont fait des miracles même plus que cela. Il y a ceux qui flottaient même dans l'air, qui entraient dans les murs. Je te dis, Satan est capable de le faire. Sur le plan historique. Oui, sur le plan historique, des personnages. On parle d'Empédocle, d'Agrigante. On parle d'Apollonius de Syane, qui sont des personnages historiques. Puisque qui sont des philosophes, qui ont laissé des textes. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas un évangile selon Jésus. Et vous allez constater que même dans les quatre évangiles, aucun des disciples ne parle à la première personne. Il parle toujours à la troisième personne, parce que celui qui n'a l'histoire doit parler à la première personne. Or, pour découvrir en réalité qui sont les créateurs du christianisme, c'est dans l'évangile des 12. Voici un extrait de l'évangile des 12. Il est dit, Rabban Gamaliel, il parle.
Gamaliel apparaît comme rédacteur de l'évangile des 12 apôtres, qui est le seul des évangiles où, pour la première fois, on parle à la première personne. Et il se nomme lui-même lorsqu'il déclare, fragment 15 à 23, F38. On conduisit Pilate et le centurion sur le puits d'eau du jardin, puits très profond. Moi, Gamaliel, je les suivais aussi au milieu de la troupe. Ils les regardaient en bas dans le puits. Les Juifs crièrent, « Oh Pilate, voici le corps de Jésus qui est mort. N'est-ce pas celui-ci ?» C'est le seul évangile qui est à la première personne. Et ce Gamaliel, c'était un pharisien. D'accord. Il ne peut donc pas être chrétien, puisque les Juifs, ceux qui pratiquaient le judaïsme, y compris Flavius Joseph, ne peuvent pas traiter Jésus de sauveur, alors qu'ils pratiquent le judaïsme. Pour traiter tel de sauveur, il faut qu'ils pratiquent cette religion. Et donc, il crée le christianisme, Gamaliel crée le christianisme avec Paul, pour tuer le mouvement esséniste qui était concurrençait le mouvement pharisien. Parce que l'histoire nous démontre, l'histoire des religions hébraïques que j'ai faites pendant 5 ans, nous démontre qu'il y avait un conflit entre le pharisianisme et l'essénisme. Mm-hmm. Or, il y a de cela 50 ans auparavant, les deux écoles s'entendaient. Et la scission est venue par le fait que les esséniens ont commencé à adopter donc les éléments du culte d'Isis, tels que le baptême, tels que l'Eucharistie, tels que la notion de fils de Dieu, tels que la notion de mort et de résurrection. Donc les esséniens ont commencé à opérer un syncrétisme entre le judaïsme et le culte d'Osiris et d'Isis. Et c'est dans cette mesure que les pharisiens qui étaient des radicaux ont décidé qu'ils sont déjà des hérétiques. Ils ont donc commencé à les combattre. Et la meilleure manière de les combattre, c'était parce que c'est Gamaliel qui commandait tous les Hébreux sur le plan. C'était le grand prêtre à l'Antiquité tardive, au premier, entre l'an 20 et l'an et le premier siècle. Donc c'est lui qui prenait les grandes décisions au centurion, là où il présidait le culte. Et il a décidé donc de tuer le mouvement essénien. Et pour le tuer, il fallait récupérer la doctrine essénienne, l'incorporer sous une nouvelle figure, parce que le grand messie essénien s'appelait Menahem. Et dans le récit et le messie essénien, on a trouvé Judas, on a trouvé Simon, on a trouvé Menahem, voilà les trois messieurs esséniens. Donc, Gamaliel et Paul ont donc créé une nouvelle doctrine s'inspirant en partie de la philosophie essénienne, mais avec des nouveaux personnages et d'autres personnages qu'ils ont récupérés, notamment Judas et Simon, qu'ils ont intégrés donc dans le christianisme et ils ont donc construit. Bon. Après avoir construit cette doctrine, ils ont donc commencé à promouvoir, parce que celui qui commandait les Hébreux spirituellement donne la force et il détruit l'autre. Et c'est comme ça qu'au premier siècle, le mouvement essénien qui a produit ce texte a totalement disparu pour laisser place au christianisme. C'est la même chose qui a été faite entre le 3e siècle et le 5e siècle avec le culte de Mithra, qui était très puissant à Rome et en Grèce. Donc les empereurs romains ont récupéré le christianisme qui était populaire et qui menaçait la stabilité de Rome pour faire éteindre l'essénisme et faire passer le christianisme. D'accord. Oui. Attendez, le temps de parole, là, il est plus vérifié, là. Attendez, mon père. C'est moi qui m'audais encore cette émission. Oui, jusqu'à présent, c'est vous. Voilà. Il nous reste malheureusement 8 minutes. On va se les partager. Ah, non. Un peu de réponse, s'il vous plaît, de mon part. Oui, justement, dans votre temps, vous allez répondre. Ah. Et puis, forcément, vous allez conclure. On est bien obligé d'arrêter l'émission à 90 minutes, oui, mais malheureusement. Il faut un temps équitable. Je ne pense pas que ça ait été le cas. Ok, bon, ben, allez-y donc. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai entendues, ésotériques et tout ça. Mais mettons que Paul, avec Gamaliel ou tout ce que tu veux, mais donc ça, le christianisme n'a rien vu, les pères de l'Église n'ont rien vu, les écrits de Paul qui est allé voir l'apôtre Pierre et Jacques pour s'assurer que la doctrine, tout ça, c'est faux. Pierre, c'est les mythes. Tout est faux, voilà. Mais tu n'as que ça à la bouche, toi. J'espère que beaucoup... Écoute, c'est un peu facile. Tu m'as accusé de dire que, oui, tous ceux qui ont étudié ça sont manipulés. Hein ouais. Oui, et toi, tu n'es pas manipulateur. Pas du tout. C'est pas du tout. Mais il suffit de le dire pour pas être d'accord avec toi, c'est ça? Oui. Mais c'est énorme ton truc, là. C'est complètement ésotérique, ton histoire. Parce que tu crois qu'il n'y a pas une grande tradition dans les premiers siècles de l'Église qu'on appelle les pères de l'Église. Toutes les églises, malgré leur division, reconnaissent les pères de l'Église. Il y a une grande continuité. Tu penses que les débuts du christianisme seraient manipulés de cette façon abominable, comme tu le présentes? Mais c'est absurde. Oui, je sais, on reconnaît tous qu'il y a eu la crise arienne, la première grande crise hérétique. Eh oui, on le sait. Mais je n'ai pas entendu qu'il y ait des crises sur ces histoires-là.
Ça sort d'où, ça? Or, les Esséniens, ils ont bon dos aussi. Mais c'est clair qu'ils ne vont pas parler de Jésus quand Jésus n'est pas encore né. Mais maintenant, s'il y a une partie de l'évangile de Matthieu, ce que j'ai entendu, ah ben oui. Mais ce n'est pas les textes que tu présentes, là. C'est d'autres textes dans les manuscrits de Qumran, conservés par les... Donc, il se peut que les Esséniens aient conservé une partie de l'évangile de Matthieu, bon, qui parle de Jésus, bien sûr, mais les autres textes antiques antérieurs à la venue du Messie, évidemment, n'en parlaient pas. Ce n'est pas que les Esséniens ont fait ceci ou cela. Ça dépend de quel type de manuscrit il s'agit. D'accord. Mon père, je vous relance par rapport, suite à la lecture qu'il a fait tout à l'heure. Est-ce que, parlant des évangiles, est-ce que l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean, est-ce que le terme « selon » ne pose pas un problème dans la compréhension de ces évangiles, de ces écrits-là, de ces évangiles-là, concernant justement le personnage de Jésus, c'est-à-dire « évangile selon ». Or, lui, il a fait une lecture-là qui était vraiment précise. Non, écoute, moi, ça peut être aussi bien des apocryphes. Des textes faux que l'Église a qui toujours a refusé. Déclaré que c'est faux, c'est l'Église romaine. Tu sais pourquoi? Pourquoi l'Église? Parce que ça gênait ce qu'ils voulaient construire. Elle n'était pas romaine à l'époque, c'était l'Église tout court. Elle était, oui, basée à Rome si tu veux, mais c'est pas catholique romain comme maintenant. C'est que les apocryphes, on s'est rendu compte que c'est des choses qui sont écrites tardivement d'abord, qui ne tiennent pas compte de tous les éléments historiques qui sont dans les évangiles, mais qu'on estime que tout ça c'est des mythes, alors que les évangiles sont pétris d'histoire. Et on préfère écouter des apocryphes qui finalement idéalisent un texte pour faire passer une idée. Mais tu penses que le christianisme des premiers siècles était complètement manipulé comme ça, sans bien évidemment, on aurait, évidemment. L'histoire retiendrait quand même qu'il y aurait des rébellions, qu'il y aurait des réactions violentes quand même. Non. Or, rien de tout ça. Mais entre les pères d'église, il y avait des bagarres à coups de poing. Qu'est-ce que vous racontez? Ils avaient du caractère. Alors, Saint Augustin et Saint Jérôme. Oui, oui, bien sûr. Comment vous racontez les choses qu'on connaît? Non, donc, c'est pas la même chose. Ça, c'est des discussions, comme on fait maintenant d'ailleurs. Mais s'il y avait vraiment une manipulation pareille, comme tu veux le faire croire, ça saurait dans l'histoire de l'Église. Ça saurait. Ça se sait. Est-ce que les évangiles... Non. Est-ce que ces évangiles apocryphes sont mis à la disposition du chrétien lambda? Vous pouvez les trouver si vous voulez. Mais le tout, c'est de savoir, d'avoir l'esprit critique pour voir comprendre que ce n'est pas... les chrétiens ont écarté ça en disant « Ce n'est pas tout ce que nous avons reçu depuis les origines de l'annonce évangélique ». D'accord. Ça a été écarté à cause de ça. Mais j'ai écrit d'ailleurs dans mon site Mes raisons d'être chrétien, j'ai écrit quelque chose sur les apocryphes. Pourquoi les premières églises ont refusé les apocryphes? D'accord. Ils n'ont pas du tout valeur historique comme les évangiles. D'accord. Mais pas du tout. Et ils présentent un truc idéalisé comme ça, qui était inventé de toutes pièces. D'accord. C'est exactement ce que tu nous montres là. D'accord. Todd, pour terminer. La raison pour laquelle les évangiles qui qualifient d'apocryphes ont été retirés, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de ces évangiles, on retrouvait les traces des emprunts et des copies de la doctrine chrétienne. Notamment dans l'évangile des 12 dont il parle, il y a des passages où on parle de la menti. Vous savez que la menti, c'est d'ailleurs des termes égyptiens. Il y a plein de termes égyptiens qui apparaissent dans l'évangile des 12. Donc, la corruption des textes avait déjà commencé, mais il y avait encore les traces. Et il fallait donc gommer toutes ces traces. C'est pour ça qu'ils ont décidé de réécrire à partir de l'an 125. Donc, tout ce que vous entendez, évangile de Matthieu, Luc, c'est une réécriture des textes qu'ils qualifient plus tard d'apocryphes. Parce que les textes apocryphes sont plus proches des textes esséniens et des textes égyptiens. Pour montrer donc, effectivement, que le christianisme n'a rien de tactique et n'a rien fait qui puisse éblouir quelqu'un, constatez ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui est sorti de mon sein, et dont je me suis réjoui. Ce passage vous rappelle quoi? Hein? Et qui dit ça? C'est la déesse Nout qui dit ça, du dieu Horus. Mais qu'est-ce qu'eux font? Ils renversent, ils disent que c'est Dieu le Père qui dit ça de Jésus. Donc, je prends un autre passage. Un autre passage, assis à la droite du Père, à la droite du Père. Qui? À la droite du Père et à la gauche du Père. Nous avons texte des pyramides 268C. Nous avançons. Ils disent que les Africains et les Égyptiens étaient polythéistes, n'est-ce pas? On dit, oh grand Dieu, toi dont le nom est inconnu ou inconnaissable, une offrande t'est donnée, toi l'unique Seigneur. On a
Texte des pyramides, 276C. Vous avez vu le monothéisme là. On va maintenant là où on dit que les anges sont venus là. Très rapidement, il est ressuscité. L'authenticité de ce document est avérée. Bien évidemment, c'est le texte des pyramides. Mais l'Église ne refuse pas. Un débat. L'Église ne refuse pas. On retrouve encore autre chose qui est bizarre. On dit, ceci est dit, l'étoile naît. Regarde, il vient, il la sanctionne. Il ne s'est pas réveillé de lui-même. Il a reçu un messager, c'est-à-dire dans la tombe, on dit les messagers, donc la résurrection. Il a reçu un messager qui est venu vers lui pour... Mais ça, c'est la mythologie, ça. Ah bon, c'est la mythologie. Mais bien sûr, quand c'est dans la Bible, c'est l'histoire. Le christianisme, quand c'est dans les textes africains, c'est la mythologie. Le christianisme a toujours... Vous voyez donc que... Nous sommes arrivés au thème de l'émission. Il n'y a rien. Mon père, est-ce que... Vous avez le sentiment d'avoir tout dit dans ce débat? Ben non, c'est loin d'être épuisé. Je dis, l'Église catholique surtout a dit qu'elle ne refuse pas les semences de vérité dans les autres cultures. D'accord. Et je pense que beaucoup dans ceux qu'on vient d'entendre, ce sont des prémonitions déjà. Quelles n'en sont pas mais des prémonitions? Qui vient la résurrection? Qui a pu dire « je suis la résurrection » et qui est vraiment ressuscité? Mais c'est dans le texte. Il n'y en a qu'un seul. C'est dans le texte. Tout ça, c'est de la mythologie. C'est pas de la mythologie. Père, alors, nous avons constaté que le christianisme repose sur une mythologie non seulement fictive, mais plagiaire, dans la mesure où le Jésus n'a pas d'existence historique, parce que pour exister historiquement, il faut avoir un père, ça, une mère, ça, tu es fort un père, une mère, il faut avoir une généalogie, c'est, bon. C'est ça qui confirme que j'ai vraiment, et tu répètes des bêtises, je n'ai pas suffisamment eu le temps, je ne peux même pas tout dire, parce qu'il faut peut-être un débat de 5 heures de temps pour assommer totalement, le prêtre et tout. Mais tu es prétentieux. Je vous promets, mon père. Je respecte ceux qui me respectent. Je ne respecte pas ceux qui ne me respectent pas. Effectivement, je ne pense pas quand même qu'il y ait un manque de respect sur ce plateau. Si. Il vient de dire si. Il n'est pas question de m'assommer. D'accord. Bon, c'est une façon de parler, mon père. Qui est grossière. Et ça ne vous fait pas honneur. Comme une menace. D'accord. Bien, je vous promets. Que ce soit aux téléspectateurs, que ce soit vous, qu'à une autre occasion, nous allons recommencer là où nous avons laissé. Il ne s'agit pas de refaire le débat dès le début, mais il est important d'avancer pour le bonheur des téléspectateurs qui nous écoutent, pour qu'à la fin, eux-mêmes, ils essaient de se faire une opinion de tout ce qui s'est dit, qui soit situé. Et je les invite justement aux recherches. Toi, tu as donné des références. Vous également en avez donné. Même si je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Parce que là, on est dans un dialogue de sourds. Je dis, je les invite à découvrir, mettons, je propose mes raisons d'être chrétien. Il n'y a pas de problème. Je les invite à faire une enquête sérieuse sur des points comme le linceul de Turin et aller sur Internet, voyez ça, voyez qui dit la vérité de nous deux. Mon père, c'est la même chose que je suis en train de dire. Les références que vous avez données et celles que Todd également a données vont permettre aux téléspectateurs d'aller faire des recherches et d'être situés par eux-mêmes de tout ce que nous disons ici. Oui, voilà, bien. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce face-à-face. Acte 1, à une autre occasion, ces deux protagonistes seront une fois de plus invités pour poursuivre ce débat qui est loin d'être terminé. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de Khmer Télévision qui se poursuivent et à très bientôt. Salut. Le problème, c'est qu'il faudrait passer à...